Il y a un problème? Pourquoi tu cries comme un foufou? Oh, pour rien! J'adore crier! Bouge-toi là, gamin! T'empêches les gens d'accéder au tableau d'affichage! Quand je mange au crabe croustillant, je reste sur ma faim. Signé Paystar 7. Oula, ça craint! Non! Ça peut pas rester là! Wow, 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 mec, c'est quoi ce délire de censure? Je te rappelle que le tableau d'affichage est ouvert à tous, alors tu peux pas retirer un message sous prétexte que tu le trouves bidon. Je suis désolé, mais ce garçon a raison. Ce tableau d'affichage est sacré et doit être respecté. Cher Paystar 7, je suis navré que votre repas au crabe croustillant vous ait déplu. On vous promet de faire mieux la prochaine fois. Signé le roi des fourneaux 139. Ah, le problème est réglé. Oh, le problème est réglé. C'est plutôt le contraire, gros nul. Signé le mec derrière toi 3. Ah, gros nul, lol. Aucun intérêt, je ferai un meilleur pâté de crabe avec de la boue. D'où est-ce que viennent tous ces messages? Stylo, crayon, papier. Stylo, crayon, papier. J'ai pas grand-chose à dire, j'ai juste envie de me défouler. Ils vont déguster. Vous gênez pas, mais n'oubliez pas d'alimenter votre haine avec un de nos menus. Vous avez l'embarras du choix. Si seulement je pouvais savoir qui se cache derrière ce mystérieux Paystar 7. Salut! Paystar 7 est devenu mon idole. Hey, c'est moi, Paystar 7. Mais ouais, c'est ça. Il n'a pas sa langue dans sa poche, c'est un pro du coup de gueule. C'était pas un coup d'œil. Paystar 7 est cool parce qu'il est anonyme. Ouais, il est chouette parce que il s'est resté anonyme. Ok, le discours de Paystar 7 est parfois virulent et peut déplaire. Mais il faut tout de même reconnaître qu'il se la raconte pas. C'est un vrai héros, salutaire, en ces temps difficiles. Oh, j'ai pas le choix, je vais devoir améliorer ma recette de pâté de crabe pour que ça plaise à Paystar 7. Vérifions. Oh, oh non, ce steak n'est pas assez rond. Oh, et si je le retaille un peu? Oh, c'est la cata, c'est pas du tout équilibré. Je vais essayer d'égaliser un peu. Oh, maintenant il est plus petit que l'autre. Carlo? Ouais? Est-ce que Paystar 7 a répondu à mon message? Ah, il a laissé un message il y a 3 heures. Mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Parce que je n'en ai rien à faire. C'est pour moi, le roi des fourneaux 139. Je dirais plutôt le roi des nigos 139. Cordialement, Paystar 7. Bob, ces critiques acerbes et corrosives ont considérablement entaché ta crédibilité. Oh, t'es dur. Pourquoi tu dis ça? Mais c'est vrai, tu as raison. J'aurais dû épingler mon commentaire sur le tableau des fichages. Signé Beau Gosse 42. Ok, t'es peut-être Beau Gosse 42, mais t'es trop méchant! Ananas 1 à Papa Foufou. À vous, Papa Foufou. Ici Papa Foufou, reçu 5 sur 5. Rien à signaler, à vous. Négatif. R.A.S. Ananas 1 à Petite Fleur. À vous, Petite Fleur. Non, hors de question, je refuse de me faire appeler Petite Fleur. Chut, taisez-vous. Attendez, j'aperçois quelque chose. C'est comme ça que les taches de ketchup disparaissent. Surprise, tu es démasqué, Paystar 7. Patrick! J'avais ton mur en mouillé. Oh, je viens tout. On enlève le tableau de l'affichage dehors. Dehors le tableau. Fini. Va ton tableau. Patrick, alors c'est toi, Paystar 7? Eh ben en fait, c'est ce que j'allais révéler dans mon prochain message, Bob. Parce que ça m'enquiquinait que mes commentaires soient mal interprétés. D'accord. Quand tu as dit que les pâtés de crabe avaient un goût de vieux gants de baseball, tu faisais subtilement référence à ton enfance insouciante. Ouais, c'était ça l'idée. Tu entends ça, mon petit tableau chéri? C'était pas ta faute. Tu n'y es pour rien. C'est nous qui avons alimenté ce jeu cruel.